Salut les viewers, c'est Marcus Bonus avec la voix qui est partie en couille alors que j'ai fait des échauffements de voix. Ce n'est pas grave. Et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Starbound 1.1.1. Ça y est, j'ai modifié le nom dans dans le titre de la vidéo. Nous allons, chers amis, tout simplement. Hop, je remets la bonne crack, la bonne page sur mon PC portable. Crack. Nous allons aller nous rendre sur une planète où potentiellement il y a un saloon pour Nova Kid. Alors, c'est un test, chers amis, c'est pour voir si oui ou non, malgré, on va dire, l'ancienneté du personnage qui était là avant l'arrivée de ces saloons, est-ce qu'en chargeant ou pas, tout simplement, la page de navigation console, est-ce que ça va recharger les planètes de l'univers? Normalement, c'était le cas pendant la bêta. Est-ce que c'est toujours le cas? Je ne sais pas. Hop. Alors, les coordonnées sont 709 383. Ici, on trouvera une planète qui s'appelle Kunsilos Cradle 3. Hop. Parfait. Voyons, ça me consomme strictement rien d'y aller. Il faudra aller à l'ouest pour espérer trouver ce saloon. Je perds des choses sur mon bureau. Il y a des bouts de mon bureau qui tombent. C'est sympa. Hop, voilà. Crac. Je me replace et vous m'entendez à la perfection. Bon. Je pense aussi, chers amis, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va aussi modifier cet équipement. Le modifier pour qu'il ressemble à quelque chose. Et plus particulièrement, je ne sais pas vraiment où ça se fait par contre. Peut-être ici. Apparemment non. Plus particulièrement pour qu'il ressemble. Ah, peut-être là. Ouais, c'est ça. Pour qu'il soit un peu plus coloré, nous dirons. Et pour ça, il va me falloir des bottles. Dye remover, d'accord. Green, grey, orange, red, white. J'aurai besoin... White, pardon. J'aurai besoin de red, je pense. Enfin bon. Pour ça, on verra ça en fin d'épisode. Faudra qu'on soit prêt pour le combat final, si je puis dire. Alors. Normalement, en partant à l'ouest, je devrais assez rapidement trouver un saloon. Boum. Hop. Meurs. 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 C'est bon. Hop, on passe par là. Crac. Un coffre. Déjà, le positionnement, entre guillemets, de la zone n'est pas si mal. Il est agressif, j'ai hésité. Ah, je peux pas la charger en plein vol du coup. Alors ça m'embête de voir ça. On m'a dit que c'était pas loin, je commence à avoir des doutes. Ah, le jeu me fait douter, c'est triste. J'ai peur. S'il faut que je refasse un personnage complet pour avoir des saloons, je suis dans la merde. Imaginez s'il faut refaire un personnage complet à chaque fois dès qu'il y a une mise à jour. Ça a jamais été comme ça avant. Attendez, l'ouest c'est bien. Ouais, c'est bien par là. Ça m'inquiète. Attendez, je regarde. Pourtant c'est marqué pas loin du spawn, à l'ouest. Ah, ça m'inquiète. Là, pour le coup, je suis inquiet, chers amis. Là, pour le coup, je suis inquiet. J'avais eu ces... je les avais pas eu. Ces carillons. Là, ça m'embête. Soyons honnêtes, ça m'embête énormément. Manquerait plus que je ne les trouve pas. Honnêtement, manquerait plus que ça. Ça me pose un lapin. Ça me pose un problème, ça me pose un lapin aussi. De toute façon, dans les deux cas, ça revient au même. Parce que de toute façon, ils ne sont pas là. Bon.
J'ai pas eu l'impression que ça avait tant chargé que ça, cela dit. Donc peut-être qu'il faudra qu'on fasse plusieurs. Oula. Ah bah, en parlant de chargement. Ok. On passe sur un autre biome. Bon, ça m'inquiète un petit peu. Là pour le coup. Remarque, et attendez. Nova Kid, brille dans le noir, peut-être que. Cherche des raisons. Je me cherche des raisons, chers amis. Des raisons d'y croire, mais pour le coup, là, ouais, non, ça m'inquiète un petit peu. Elle est bien, cette épée, dis donc. Ok, bon. Je me trompe pas, c'était bien la 3. Là, ça me fait chier. Si je vais de relancer un perso... Ça m'embête. Je l'avais déjà. Hop. La suite. Hop. Aïe. C'est joli, dis donc, ce que vous faites. Hop. Merci. On nous fait vachement mal. Je veux pas dire, mais... Ah là 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 là. Bon, bah alors ça, je crois que c'est pas bon, chers amis. C'est pas bon signe du tout. Est-ce que je fais la recherche pour voir s'il y en a, si j'ai besoin de relancer un personnage? Dark chest. Enfin, un bout de l'armure. Enfin, de ce cosmétique. Parce que c'est pas vraiment de l'armure. Hop. Ah, on l'avait déjà. On vient de l'avoir il y a 2 minutes, les mecs. Ça va être sympa de nous enfiler un autre. Bon. Là, j'y crois plus de trop, du coup. Ah, j'y crois encore. J'y crois encore moins. Ce qui est marrant, c'est qu'il n'est pas du tout question de ça dans ce... Concilio Cradle. C'est marrant, ça. Parce qu'il en est pas du tout question. Alors on va partir sur une autre comment? Ok. Alors, 911 420. Australias Minoris 1. Ok. Ok. Alors, apparemment c'est 1, c'est pas 1A. Donc ensuite, il faut aller à l'est. C'est assez loin, c'est dans un tar biome. Et il y a un coffre juste avant le saloon. Bon. Merci pour les augmentations, les mecs, c'est sympa. De toute façon, quand je vois la distance à laquelle je vais et que ça me fait plus rien maintenant, je me dis que vous êtes efficace. Hop. J'ai gâché plein de bouffe, cela dit. J'ai gâché plein de bouffe. Alors ça va être dégueulasse bientôt. Le riz, il se conserve. Ça, c'est cool. Comme le vrai, quoi. Enfin bon. On va ranger tout le bordel. La lance, je la garde. Je vous fais pas un dessin, pourquoi? Hop. Elle est efficace. Ok, donc on va partir à l'est. Je suis désolé. J'ai beau avoir fait des vocalises juste avant. Donc à l'est. Hop. Oh, une arène.
Faites péter les monstres. Non? Non, bon bah tant pis hein. De toute façon ils vont pas se battre entre eux donc c'est débile. Ils doivent se faire chier à regarder ces combats là. Ils se battent pas entre eux. Ah je peux... Ah attendez. Est-ce que je peux faire ça par exemple? Elle la charge. Oh! Oh je peux la charger et après frapper avec. Est-ce qu'elle fait plus de dégâts une fois chargée ou pas? J'ai pas l'impression. C'est tellement stylé pour autant. Elle fait plus de dégâts. Oh mais cette épée. Cette épée est tellement stylée. Oh là 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 là. Oh là là. Vous pouvez faire un clic droit pour la charger et frapper avec une fois qu'elle est illuminée bleue hein. Parce que voilà. Parce que voilà, elle est hyper stylée cette épée. Aïe. Hop, bah c'est pas plus mal. Tiens, on va passer par en dessous, on va gagner du temps. Voilà. Hop. Oh. Aïe. Il y a un coffre. Ah, je crois que j'ai pété le coffre. Non, j'ai pas pété le coffre. Je prends. Ça, je le bois. Hop. Hop, problème résolu. J'aurais pu tout aussi bien les envoyer sous terre aussi, mais bon. Je suis curieux de voir toutes les armes modées qu'il va y avoir ou qu'il y a déjà sur Steam. Quoi qu'il en soit, il y aura une aventure modée, je le rappelle. Et elle sera modée et pas qu'un peu normalement. Alors, il est vraiment loin ce Tarbiome. Hein. De toute façon, c'était marqué qu'il était un petit peu loin. Ne vous inquiétez pas. Et là, je fais ma pute! Ah bah non, ça part pas si loin que ça en fait. Aïe. Bah c'est moi qui me suis fait avoir finalement. Ok. Bon bah je le referai plus, désolé. Ah. Est-ce qu'on s'approcherait du Tarbiome? Non, pas du tout. Oh, des toucans! Salut les filles! Ce qui est bien, c'est que ça me permet de régénérer un petit peu. Ah, ils sont géniaux. Et ils sont pas avides en... Enfin, ils sont pas radins en... Comment que ça s'appelle en... En compo, en tout cas. Hop. Ah, il y en a plusieurs types différents, forcément. Ok. J'aime bien avoir ces trucs-là. Je sais pas si ça va marcher, mais... Si je peux les réutiliser derrière, mais en tout cas, je trouve ça sympa. Ce serait bien de pouvoir. Ça permettrait de refaire des biomes entièrement, quoi. Hop. Ah t'es... Oh il m'a eu. Où il est ton copain? Oh. Dommage. Ok. Alors. Ah là on a un camp. Et ils m'ont dit à l'est. Et je me trompe pas, l'est c'est bien à droite et l'ouest à gauche hein. Parce que j'ai l'impression que le jeu se fout de moi. Enfin que le site se fout de moi avec ça. Ok, on est bon. Ah merde, j'aurais dû récupérer le drapeau. Et j'ai l'impression qu'ils n'en ont pas des masses, remarque. Ils ont des... Hey ! Ils en ont pas ? Ils ont des antennes, mais ils ont pas de drapeau. C'est moi ou... Ah, il y en a un là. Hop, j'y vais. Hop, merci. Alors là, il y a le coffre. Le coffre, vous m'avez dit, et vous avez raison... Ne pas m'embêter à le prendre, je passe par le haut. Hop. C'est. D'accord. Bonjour. Aïe. Hop. Hop, je passe. Oh, tu m'as pas vu. Hop. Hop. J'ai oublié un truc phase là-bas. Ah, je vais le récupérer parce que... Vu que les objets de Mysterious Treasuries, là, je sais pas comment ça s'appelle. La caravane, il en faut plein. Je préfère en avoir un paquet. Ah, ça s'arrête en plein vol. Ça s'arrête en plein vol. C'est vilain. Eh ben dis donc. Elle est vraiment loin. Hop.
prends. Hop. Eh ben dis donc, ce tarbiome, où est-ce qu'il est coulé? Oh bah non, il y a que ça dans le truc. Remarque, ça a été ma source de nourriture pendant longtemps, donc bon, je vais pas me plaindre. Il y a un coffre. Oh, une dague bleue. Je vais surtout prendre ça, hop. J'en suis à combien? 38, dommage. Hop. Ce tarbiome qui ne veut pas venir. Hop. Ah bla. Hop. Aïe. Soin. soin, parce que j'ai pas envie de gaspiller tous mes trucs pour ça. Hop. On va attendre un petit peu. Allez. C'est bon. Ça marchait bien à un moment où il y avait les objets de soin, les liquides de soins là, mais la healing water, mais sinon c'est un peu rêche. Ok, ça m'inquiète. Une chauve-souris jaune, non, je n'accepte pas. Ce genre de choses ne devrait pas exister. Les chauves-souris, c'est soit en noir, soit en violet, comme Batman. Ah quoique, Batman il a du jaune aussi. Ouais mais c'est une toute petite touche. Ah bah non, non, vous y mettez pas tous, Je voudrais pas avoir à vous tuer, normalement. Je ne devrais pas avoir à vous tuer même. Alors. C'est joli, mais c'est pas... Attaque pas mon copain. Oh, comment qu'il a dit non à l'entrée au serpent. Non mais... Boum. Alors, où il est Starbiome? Eh, je me suis pas encore fait avoir par le site quand même. Parce que sinon c'est le site. Ah. Attendez. Oh, je serre tellement les fesses en ce moment là. Pour que ce soit pas un bug, pour que j'ai pas relancé un personnage. Il manquerait plus que ça. Il est censé y avoir un coffre juste avant. Là, il y a un coffre. Oh putain, on est bon. Non. Oui. Oh, c'est la fête. Ah, un drapeau. Je vois pas de Nova Kid dedans, mais drapeau, c'est pas grave. Vous êtes tous en train de dormir. Est-ce que ça dort un Nova Kid? Oui, c'est pas grave. Saloon Nova Kid. Ok, on y va. Oh, les fers à cheval. Boum. Rien. Oh, ça je prends. Ok. C'est des fers à cheval ou des fers à chevaux? Je ne sais plus. Parce que c'est des fers à cheval. Oh, elle est tellement stylée. Je te veux dans mon équipe. Comme ils disent dans The Voice. Ouh, ça fait du bruit. Des diamants, ouais, bah oui, bah écoute, Nova Kid quoi, prospect everyday. Oh, tu vends des... Ah bah, mais évite de me fermer la porte à la gueule, s'il te plaît. Il vend des choses. Qu'est-ce que tu vends? Ouh, je prends. Forcément que je prends. Bon, c'est pas grave. Hop. Oh, t'es moche en vert, je veux pas de toi. Ouh, c'est quoi ça? Un réservoir d'eau. Oh, c'est tellement stylé. Je vérifie quand même qu'il n'y ait pas de coffre à te poser dedans parce que... Ha ha. Il manquerait plus que ça. Saloon. Oh, la porte. Il fait waouh waouh. Bon, les tables, je les avais déjà, mais... Oh.
Oh, j'ai un orgasme. Oh, y a pas la musique, je suis vexé. Je suis vexé. Avec l'entrée par l'extérieur, c'est génial. J'aime ce jeu. Putain, qu'est-ce que j'aime ce jeu. Ah là 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 là. Qu'est-ce que j'aime ce jeu. S'il te plaît, comment qu'il s'appelle. Mince. Julien le père sort de ce corps. Ah que je l'aime ce jeu. Pousse-moi que je puisse me mettre à ta place. Ah ah. Hop. Ah oh, c'est génial. C'est génial. C'est absolument génial. Ah j'adore ce jeu. What. Ah 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 ah. Allez. Pour le fun. Juste pour le fun. Bref. Les fers, je les avais déjà. Ça, je les avais. Oh là, non, toi, tu restes là-dedans. Il est véritablement hostile. Il est véritablement hostile. Ça, c'est bien fait. Les chiottes, apparemment, il y a quelqu'un dedans. Il y avait quelqu'un dedans. Et c'est la fin. Bon. Il va falloir qu'on se fasse un copain là-dedans. Il va falloir qu'on se fasse un copain là-dedans. Ah bah là il y a de la musique. Oh bah non, pas le mexicain. Ah non, bah non, c'est pas le mexicain que je veux, c'est le cowboy. C'est le cowboy. Ah, oh, parfait. Parfait. My cowork, mon coéquipier Whip devait me rendre visite il y a pas longtemps pour qu'on puisse nous entraîner à notre entraînement de comédie. Mais il n'est jamais venu. Je ne pense pas que. Je n'ai aucun doute sur le fait que les chasseurs Floran que j'ai vus pas loin de la petite hutte à l'ouest sont dans le coup. Est-ce que tu peux sauver Whip pour moi? Bah écoute, pas de soucis princesse, j'y vais. Rassure-moi que t'es une fille. Parce qu'avec tes cheveux, maintenant j'ai des doutes. Les cheveux, j'y fais plus gaffe. Les cheveux ne sont plus un indice viable dans ce jeu pour savoir si nous avons affaire à un garçon ou une fille. Ah bla. Ah, les voilà. Aha. Salut les filles. Voilà, tu es sain et sauf. Viens avec moi, toi qui as une cible à la place du visage. Il était obligatoire que tu te fasses avoir. Tu viens? Ah bah oui, viens, il se téléporte. Je me sonne un petit coup quand même. Hop. Alors là, ça va être la dèche. Hop. J'aurais pu faire la téléportation, hein, mais... Voilà. On n'est pas très très loin donc. Hey l'ami, tu aimes ça manger des patates? Ah bah non, te planque pas derrière. Ah non, c'était la seule quête qui est donnée. Je suis vexé. Ah, c'est con parce qu'elle est tellement stylée. Elle est tellement stylée. Mais non, pourquoi? Non, pas le mexicain. Je veux pas que ce soit le mexicain. S'il vous plaît, pas le mexicain. Ou alors le shérif. Donnez-moi le shérif. S'il vous plaît. Non. Ah. Ce lit en peau de vache. Non, pas le mexicain, j'ai dit. Parce que je sais que le mexicain, il va vouloir rentrer dans mon vaisseau. Ah. Quelle horreur. Même elle, ça m'irait. Saloon Nova Kid. J'y crois, chers amis. Ils vont vouloir. Il y a quelqu'un qui va vouloir monter dans le vaisseau. Allez. À part le Mexicain, bien sûr. Allez. Soyez sympa. Me faites pas ça. Oh, j'ai oublié de prendre le. J'ai un autre que j'ai oublié, c'est bon. Soyez sympa. Pas lui. Tout, mais pas lui. Non? Non? Oh bah je vais aux chiottes alors, je me planque.
Ok, c'est bon. T'as fait du bien. Allez, faites-moi pop un mec. J'ai pas envie. 8 sandstones. Je les ai pas sur moi. C'est pas de la sandstone ça justement. Non, c'est de la sandbrick. Softbrick. Bon, c'est pas grave. 8 sandstones. Et remarque, ce que je vais faire, c'est que je vais me téléporter. Voilà, je vais me téléporter là. Ensuite, je redescends. Et je devrais être à un bon endroit pour récupérer de la sandstone. Ou en tout cas, pas très loin. Ça peut être ça, non? Cobblestone. Merde. On n'est pas dans le sable, du coup, faut que j'aille sur la droite. Hop. Hop. On va aller en chercher et on se re-téléportera directement au village. J'espère trouver assez rapidement ce que je cherche. Et surtout assez rapidement le bonhomme en question. Ah mais... Ville créature. Comme ça va être du dry sand, c'est ça. On me rappelle plus à quoi ça ressemble de la... Ça en est pas ça ? Paquet de dirt. Non. Donc ils ont des maisons en terre, c'est triste. Ça c'est de la cobble. Remarque, j'en ai peut-être sur le vaisseau. Et oh, je vais pas m'emmerder. J'en ai peut-être sur le vaisseau. Non. 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 Ah. Et dans le pire des cas, je peux peut-être en faire même, donc... bricks. Est-ce que j'en ai pris seulement? Ah, attendez. Sandstone, voilà. Hop, on retourne voir le mec. Non, pas ici. Saloon, donc ça va être dans les S. Ça va être ici, voilà. Hop, on y va. Alors, faudra absolument qu'on ait un Nova Kid. Je veux un Nova Kid. Où est notre ami? Le Mexicanos. Ou la Mexicanos. La Mexicanos. Faut vraiment que je fasse tout. C'est bon. Un petit camp. Ça doit être vachement loin. Bah écoute, je vais avoir Kaede. Kaede, ça me rappelle un personnage de manga, mais alors je sais plus dans quel manga. Ah si, je me rappelle, j'avais eu ces mangas, enfin, c'est pas des mangas que j'ai, c'est des petits samples. J'avais vu ça dans Kids Mania à l'époque, ça fait vieux, je me sens vieux d'un seul coup. Dans Kids Mania. Et c'était un truc avec un gamin qui était en fait prof dans une école. Mais c'était une école pour filles, je sais plus c'est quoi d'autre la suite. Ah oui, en fait il se trouvait être super intelligent, c'est un super magicien de la mort. Ouais, enfin bon, un truc comme ça. Bonjour. Merci. Qu'est-ce que tu vends? Des torches, des fireworks. Remarque, j'aurais peut-être dû acheter le fireworks. Hop. Ok. Ah, c'est parce que j'ai légèrement touché, je crois, avant. Je crois que j'ai touché avant. C'est dommage. Voilà. En fait, si j'arrête de... Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'était pas là il y a 2 secondes. Hop, mangez. Mangez, mangez, mangez. Popcorn. Ah bah merde, c'est pas ça que je voulais faire, je voulais manger du popcorn. J'ai mis ce clic. Et le popcorn il se perd pas? Ah bah si, voilà. Bon bah voilà. Hop. Ok, j'ai été Timber. Justin Timberlake. Ah, faut que j'y retourne. Ah. Limite, la verte serait mieux que toi. Ce que je vais faire, c'est que je vais drain tout jusqu'à... bah merde, j'ai pas tout drain du coup.
Hop, voilà. Voilà. Hop. Comme ça, ça sera fait. Et le passage sera entièrement fait. Hop. Voilà. Et ça coule. Voilà. Hop. Est-ce que je vais avoir suffisamment de place là-dedans? Apparemment, oui. Ok. Donc ça, c'est drainé aussi. Ça aussi. Comme ça, j'aurai tout le temps des facilités pour passer dans le coin. Ok. Hop. Bon, la maison, je peux la laisser, c'est pas un problème en soi. Alors. Hop, le petit passage pour que ce soit bien vidé des deux côtés. Voilà. Bon, ça c'était pas prévu. Donc je rebouche. Hop, et là c'est bon. Ok, parcelle for laser, c'est bon, on est bon. Par principe, 1, 2, 3, 4, 5. J'aurais dû réessayer quand même ce que j'ai fait, mais bon, c'est pas grave. 6, donc on va dire 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bon, il y a 18 secondes pour faire le double TP, donc c'est lent. Hein. Je sais pas si c'est véritablement plus rapide en fait, ça le truc. Ok, bon. Alors, notre ami le Mexicain. Ah, il veut pas monter avec moi. Cool. Pas cool ou pas, je sais pas. Ça m'aurait fait un Ovakid. C'est parce que j'ai pas une bonne tête. Voilà, là je vais peut-être être plus intéressant pour eux. Oui, non, non, oui. Apparemment non. Et ça me ferme la porte au nez encore. C'est à peine chiant. Ok. Et sinon, y'a personne, vraiment personne qui veut venir avec moi sur mon vaisseau, quoi. Enfin, c'est... Bon. C'est encore toi? Bah oui. One picture sand. Ah! Bring laser to Ryuchi. D'accord. Cette quête pour un Mexicain. Cette quête pour un Mexicain. Ah bah forcément, je nettoie tout. Et derrière, il y a du monde qui pop pour me ralentir à la place de la flotte. Ah, pourquoi il est venu? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? D'accord. Hello there! Je suppose que tu as quelque chose pour moi. Oui, voilà ce que tu as, de ce dont tu as besoin. Pour que tu puisses être heureuse ou je sais pas quoi. Ok. Faut la donner à Décan. Bah écoute, on y va. Du coup, celui-là, je l'avais pas fait, je vais le refaire. Hop. Celui-là aussi. Hop, ça coule. Ok. Hop. Bon, ça ressemble plus à rien du coup visuellement, hein, cet endroit, mais c'est pas grave. Ça me permet d'être plus rapide. Hop. Par contre, s'il y a encore ces saloperies qui viennent m'embêter. Non, c'est bon. Hop. On est bon. Ok, au suivant. C'est vraiment dommage, j'aurais préféré quelqu'un d'autre qu'elle. Mais bon, à le v'là.
Et voilà. Ah bah elle a pas voulu venir hein. Ah non. Non non elle voulait pas. Parce qu'elle était barman. Pas barmaid du coup. Et merde. J'avais... C'est vrai que j'ai pas du tout eu envie de lui parler. Du coup je ne savais pas si oui ou non il était intéressant de... De savoir si elle faisait partie du truc ou pas. Et je risquais pas de l'embaucher vu qu'elle était barmaid dans le coin. Et merde. Le jeu me l'a fait à l'envers. Donnez-moi une quéquette. Une quéquette de Nova Kid. Ah non, y'a personne hein. Y'a strictement personne qui veut que je m'occupe de lui quoi. C'est d'une tristesse. C'est d'une tristesse. Attends, peut-être que lui dans les chiottes il a donné quelque chose. Non. Non, non. Bon, on va se laisser là alors. Hein. Au moins on aura trouvé le camp. Donc les camps sont disponibles, que votre personnage soit de la 1.0 ou de la 1.1.1. En tout cas pour les Nova Kids. En tout cas les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, dont vous pourrez trouver les liens dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yoop.